Avant 2011, en Tunisie, il n'était pas question pour les personnes handicapées de réclamer leurs droits ou pour les organisations de personnes handicapées de travailler sur la défense de leurs droits. Aujourd'hui, c'est les personnes handicapées sont en mesure de se défendre. Beaucoup de personnes se sont regroupées et ont formé des organisations, des associations. Il y a beaucoup de travail à faire en Tunisie. Dans le cadre du projet Decide, nous avons aussi élaboré une recherche qui porte sur la protection sociale, qui est une thématique très importante aujourd'hui pour les personnes handicapées. Cette recherche, elle a été menée par des personnes handicapées, selon la méthodologie d'IRPI. Les enquêteurs ont questionné d'autres personnes handicapées, les deux gouvernorats de Bizerte et de la Manouba. Ils se sont intéressés aux zones urbaines, périurbaines et rurales. Dans cette étude, j'ai travaillé avec une équipe qui comporte 10 enquêteurs et enquêtrices, où 6 enquêteurs travaillent à Manouba et 4 travaillent à Bizerte. On a fait utiliser la technique de boule de neige pour le choix des personnes en situation de handicap qui vont participer à notre étude. Tout d'abord par le contact avec les associations et les organisations qui travaillent dans ce domaine, aussi les hôpitaux, nos amis, on a des amis, des personnes handicapées, aussi bien. Dans cette étude, on travaille ensemble. Tout d'abord, nous sommes des amis, parce que nous sommes tous des personnes en situation de handicap, moteurs et d'autres visuels. On a un esprit d'équipe. Il y a Khaled, par exemple, dans cette équipe. Il m'a aidé beaucoup et m'a facilité la tâche lors de la sélection des personnes handicapées visuelles. Pourquoi ? Parce qu'il a un handicap visuel et ceux qui ont un handicap visuel, ce sont des amis de cette personne. Parce qu'ils ont resté ensemble pendant l'éducation. C'était en 2015, avant d'avoir mon poste dans l'hôpital. C'était à travers mon ami et mon camarade Ahmed. Et il m'a dit il a une association d'handicap. Est-ce que tu peux participer avec nous de faire des interviews? On a fait une formation, c'était en 2015. Donc à travers ces événements, donc, j'ai commencé. Les enquêteurs ont fait un excellent travail, ils étaient très motivés, ils étaient fiers de dire, notamment Khaled était fier de dire qu'avec son binôme, ils étaient les premiers à finir. Ce qui a permis à ces personnes-là aussi d'être actives et de rencontrer d'autres personnes handicapées qui vivaient la même situation peut-être, et donc de les questionner et de faire leur connaissance. C'était pas facile, voilà. On a eu beaucoup de difficultés de déplacement, de transport, de faire satisfaire les handicapés ou bien les parents de contacter ou de faire les interviews avec eux, voilà. Pour avoir le droit à la santé, il doit tout d'abord avoir l'accès au transport pour aller à l'hôpital, par exemple. La majorité des personnes qu'on a visitées ici ne savaient rien de la juridique et de droit. En Tunisie, aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que, qu'ils soient de zones urbaines, périurbaines ou rurales, la plupart des personnes handicapées ne connaissent pas leurs droits, n'ont pas connaissance des différents services de protection sociale qui existent. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est la difficulté d'accès à ces services-là pour tous. Je pense que ces dernières années, on a réussi à faire beaucoup de choses. L'article 48 est un énorme gain pour les personnes handicapées. On sent un engagement de l'État pour le changement de la situation des personnes handicapées, le changement de l'approche de protection vers une approche qui est basée sur les droits des personnes handicapées. Il y a un engagement qui se reflète par la mise en place d'une commission au sein de l'Assemblée représentative du peuple dédiée aux personnes handicapées. Les lois aujourd'hui changent, notamment la loi pour l'employabilité des personnes handicapées qui est passée de 1 à 2%. J'espère vraiment que cela va se répercuter sur la société, sur les citoyens, pour que toutes les lois et tout ce qui est écrit sur papier soit appliqué sur le terrain.